pitori patalou, ri patalou, ri patalou, ri patalou, ri patalou, couli pitori patalou. Monsieur Soleil rencontre Madame Lune, bonjour, bonsoir, et à demain soir. Madame Lune et sa lunette magique font danser les nuages, rêver les enfants sages. Agla et la petite abeille au pays des heures. Agla et l'abeille a un ami. C'est un coucou tout petit. Toute la semaine, il annonce l'heure à l'école. Mais aujourd'hui, il s'envole. Aglaé, remplace-moi quelques jours. J'ai besoin de vacances à mon tour. Aglaé s'installe dans la maison de son compagnon. Elle essaie de trouver le bon ton. Coucou, il est 7 heures du matin. Réveillez-vous, petit bambin. 7h15, il faut être habillé. 7h30, c'est le petit déjeuner. 8h, la cloche sonne vivement. Il faut aller travailler sérieusement. Aglaé se cache dans sa nouvelle maison. Chacun suit les cours avec application. Leçon de calcul à 9h10. 3 plus 3 font... Aglaé trouve cela trop compliqué. Elle préfère s'amuser. Coucou, il est 10h maintenant. Zzz. Aglaé triche. Les enfants sont contents. C'est déjà l'heure de la récréation. Mais j'ai à peine commencé ma leçon. Le maître n'y comprend rien. Les enfants s'amusent bien. Aglaé part faire un tour. Dans 20 minutes, je serai de retour. Tout le monde est fatigué. Heureusement, Aglaé est rentrée. Coucou, il est 10h30. Voici maintenant une leçon sur les fleurs et les semis. Toute la classe travaille au jardin. Chacun doit dessiner du romarin. Retour en classe, il est 11h30. Récitez-moi les voyelles. A, E, O, U, et... Thomas ne connaît pas sa leçon. Pour l'aider, Aglaé n'a qu'une solution. Coucou, il est midi et quart. Dépêchez-vous, tous au réfectoire. Aglaé part se reposer sur une fleur. Bon appétit les petits, je reviens dans une heure. Les grandes personnes n'y comprennent rien. Les enfants font semblant de rien. Coucou, il est 2h15. Déjà si tard? Vite, prenez une feuille pour la dictée. Cela semble difficile. Aglaé a pitié. Elle se met à chanter « Coucou, 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 coucou ». Le professeur est exaspéré. Cette horloge est cassée. Il est impossible de travailler. Fini les leçons. Cours de natation. Aglaé suit les enfants au bassin. Elle apprend à nager avec ses nouveaux petits copains. Regarde, je peux rester sous l'eau. Et moi, je plonge de haut. Aglaé oublie l'heure en jouant. Cette fois, le maître n'en fait pas autant. Il a pris sa montre en argent pour être bien à temps. Il est 4h. L'école est finie. Aglaé rentre en chantant. Le petit coucou l'entend. Aglaé, où étais-tu passé? Tu avais promis de me remplacer? C'est ce que j'ai fait toute la journée. Aglaé ne dit pas la vérité. À cause d'elle, toutes les heures ont été mélangées.